Et salut, salut, salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de La vie de Marois. Alors oui. On va dire que je ne sais pas ce qu'ils font là et surtout qu'est-ce que fout Caleb en caleçon sur le palier. Mais comme vous pouvez le constater, nous avons un nouvel habitant dans l'appartement. Et ouais, je vous présente. Cette petite toute chose toute mignonne. Alors forcément, qu'on se le dise, hein, étant donné que nous sommes chez les vampires, je ne pouvais pas avoir un chat normal. C'est une petite fille, une petite femelle. Oh, elle est où? Elle est là. C'est une petite femelle qui s'appelle Nabeshima. Alors, peut-être que certains connaîtront. Moi, je viens juste d'apprendre ce mot. En fait, c'est une légende japonaise d'un chat noir terrifiant, chat vampire, en fait. Et ça m'a fait marrer parce que comme ce sera le chat de nos deux amoureux, eh bien, je me suis dit pourquoi pas Nabeshima. Voilà, c'est un petit chaton. Je viens d'avoir le pack qui est arrivé, bien sûr, donc, ben, hier. Et je n'ai pas pu résister de tourner un nouvel épisode avec un petit minou. Donc, ben, ils vont faire ce qu'ils ont à faire là. Apparemment, ils devaient faire des choses, je ne sais pas. Badinage et moustillon. Oui, ils ont fait crac-crac. Très bien. Ok, bon. Caleb, il va faire sa vie. Ah, une petite machin. Prends dans les bras. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, Nabeshima. Elle est. Ah oui, mince, on ne sait pas. Elle est normalement amicale. Et elle est touche à tout, enfin elle s'excite pas mal pour rien. Oh là 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 là. Oh, du petit minou. Dis donc, elle est déjà amie avec. C'est un câlin et hop, t'es mon copain. C'est bien. Plus de choix amical. Caresser. Oh là là, c'est chou. Alors, c'est la première fois que je joue avec des animaux. Avec les Sims, hein, donc. Oh! Mais regardez-moi cette petite bouille! Regardez-moi cette petite bouille! Ce chat squelette vampire! Bon, alors, bien sûr, on va aller à la maison. On va aller à la maison et on va s'y installer bah, le coin pour Nabeshima parce qu'il n'y a rien. Voilà. Je viens tout juste de commencer cette partie. Donc ben, comment elle s'appelle? Marois. Tu viens courir vampiriquement? Oui, c'est vrai. Et tu vas appeler Nabeshima. Et nous, on va aller dans le mode de construction pour installer toutes les petites choses. Oh, regardez-moi cette petite chose qui court! Pardon. Et pour aller en mode construction pour installer la petite pépette. Allez, je vous retrouve tout de suite. Et donc voilà, j'ai installé quelques petites choses pour notre petite chouchoute. Alors voyez là, elle va jouer avec. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un chien. Oui, elle est ma pépette. Alors j'ai un peu mélangé les skins. J'ai mis le squelette et puis j'ai mis le rat piécé et sur le ventre j'ai mis un peu le robot. Oh, c'est trop chou. Elle veut pas jouer? Enfin bref, donc j'ai pris aussi un fantastique plumeau que vous voyez là, à clochette. Et on a pris un super brabra chat parce que nous on aime notre chat. Voilà. Et quand on va par là, on a la litière. Qui c'est? Ah oui, d'accord, c'est la copine. La litière et un arbre à griffure. Nous avons aussi, donc un peu partout dans l'appart, j'ai mis des petits joujoux. Comme ici au pied de Monsieur Caleb. Il y a aussi une espèce de malle, là, je sais pas quoi, bon, bref. J'ai le petit distributeur de croquettes. Et nous avons encore, du coup, ici un arbre pour ses griffes. Comme ça, elle n'a pas d'excuses. Elle fera pas de bêtises, elle pourra faire ses griffes là où il faut. Regardons ça. Elle est tellement minuscule que je dois zoomer de ouf. Allez, Fifi! Nabeshima! Pépette! Et ben voilà, elle est partie.
Bref, voilà pour l'introduction et ce premier petit bébé à la maison pour commencer cette vie de couple entre Caleb et Marwa. Ah, il y en a un qui a faim. Tiens, tu vas boire ça et tu vas en donner un à Caleb. Voilà. Je pense qu'en plus, lui, c'est dans son aspiration, il veut boire ouais, un pack de plasma. Par contre, Caleb, si tu pouvais t'habiller, ce serait cool quand même. Marwa, on va donner à manger à Nabeshima. Définir la fréquence de distribution. Oui, parce que... Allez, tous les 24 heures. Parce que j'ai peur, en fait, d'oublier de donner à bouffer au chat. Alors, au mien, non. En vrai, dans la vraie vie, je n'oublie pas. Hein, c'est pas un souci. Mais là, avec les Sims, on sait jamais. Enfin, c'est cool. Tu vas, du coup, discuter avec ta copine. Oh... Voilà, Caleb aussi devient ami avec Nabeshima. Ah voilà, elle est joueuse. Oh, elle fait du collant, c'est trop chaud. Oh, ça fait un poisson! Ah, c'est rigolo. C'est vrai que les chats, ils adorent les lasers. Bon, alors, Marwa, tu vas déjà arrêter de boire ton eau là, tu me stresses. Oh là là, ils me stressent tous, ces Sims là d'un coup. Obsession des animaux. Comme tous les animaux, Nadia va devenir inexplicablement obsédée par certaines choses dans la maison. Gardez un œil sur vos compagnons à quatre pattes pour découvrir leur centre d'intérêt unique. Elle mange, chouchoute. Mais est-ce que c'est mignon? Alors toi, t'arrêtes avec ton verre d'eau, je t'avais dit. Tu as encore un peu faim? En ce temps-là, on va suivre avec la caméra ce que fait la petite. Qu'est-ce qui va pas, la louloute? Oh. C'est chouchou. Bah, Marois, ta fifille qui demande de l'attention. Ah, non, ça y est. Elle va faire son premier caca, son premier pipi, non? Oh. Le petit cri tout mignon. Elle, on va poster une photo sur Instagram de la petite. Oh! Oh oui. Bon, avec la litière derrière, ça fait pas terrible, hein, mais bon. C'est pas grave, on débute. On verra mieux plus tard. Ah oui, c'est vrai. Ah, on peut. Oh, c'est trop bien! J'avais pas compris qu'on pouvait. Oh putain, c'est compliqué par contre. Qu'on pouvait tourner. Ouais. Ah! 12 abonnés! Et donc, elle va en avoir bientôt plus que moi, la petite fille, hein. Enfin, la petite fille. Ok! Bon. Alors, pendant que. Caleb, tu me stresses, elle est en caleçon depuis tout à l'heure. Donc tu vas quand même t'habiller s'il te plaît. Tu vas mettre une tenue, je m'en fiche, mais tu t'habilles. On va peut-être sortir. Qu'est-ce que vous en dites, les gens? Regardez-moi ce beau gosse. Ah ouais, je suis sexy, je le sais. Bon, on va peut-être sortir, faire un petit rencard. Tu vas illuminer la journée de Calibounet. Tu vas te moquer des noobs si tu veux. Et Calibounet, il va se dire, oh mais toi, ma petite Marwa, je t'aime beaucoup trop. Donc tu. Oh, la petite choupette, elle miaule. Hein. C'est chiant les chatons qui miaulent trop. J'en ai à la maison, je peux vous dire qu'il y a des soirs, c'est vraiment insupportable. Parce que il fait que ça. Il réclame tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais toujours à manger, toujours. Parce que sinon, il va devenir obèse quand même. Non, tu vas. On va faire un petit rencard. Demande en mariage. Non. Pas encore. Parce qu'on n'a jamais été en rencard avec Caleb, hein, il me semble. Pourtant, ça fait un moment que. Qu'on est en relation. Ah, oh, Marwa, elle s'enflamme. Oh, il joue avec son petit. C'est quoi, c'est un poisson? C'est trop mignon.
C'est quand vous voulez pour le rencard. Ça y est. Allez, on va aller en rencard. Alors, pour ce rencard, on va bien sûr en profiter pour découvrir la nouvelle map de la donne de chiens et chats à Brindleton Bay. Alors, effectivement, je ne sais pas trop où aller. On pourrait très bien aller dans le parc, mais ça sera vraiment pour les chiens. On pourrait aller à la baie, on pourrait aller là, mais c'est pour un rencard. Soit on va au bar à cocktail, au bar là, lui préféré des chats, bar à cocktail. Bon, de toute façon, on va visiter le quai du Moustachu, ça j'adore le nom, mais je pense qu'on va aller là, parce que bon, comme c'est un rencard, et en même temps, on va commencer à découvrir un petit peu le nouveau quartier de cette add-on. Allez, c'est parti, je vous retrouve là-bas. Et nous voilà au Club Calico, avec nos amoureux. Et on va faire une petite vue d'ensemble. Alors, on a une petite fontaine lunette. Le club. Où il y a une piscine. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde, on va dire, comme d'habitude. Et dans le coin, qu'y a-t-il à voir? Mais 18h44, il fait nuit. Oui, d'accord. C'est vrai qu'on boit. En ce moment, oui, c'est le cas, hein. Mais là. C'est moi ou c'est pas plat ici? Oh, c'est un endroit pour les mariages. Il est temps de visiter. C'est très très joli ça. C'est très très joli. Et donc à ce club calico là, je sais pas quoi, on a ces magnifiques fleurs de cerisier qui tombent sur une table. Oui, c'est sympathique. Nous avons une petite descente. Et oui, ce n'est pas plat. Si seulement on pouvait faire les niveaux sur le terrain, ce serait magnifique dans les Sims. Et nous avons un endroit donc pour nous marier. Bon, par contre, faut venir avec aucun invité. Hein, ça, faut pas. Hein. Nous avons le port. Est-ce qu'on peut venir jusque-là? Non. Non. Ah non, c'est fermé. Nous avons aussi ici, mais je doute qu'on puisse y aller. Tiens, des voitures. Ça alors. C'est étonnant de voir des voitures alors qu'ils en ont pas besoin. Ça, c'est le port. Avec des caisses un peu partout. De toute façon, je vous fais rien découvrir parce que je pense que vous aurez tous vu avec des youtubeurs un peu plus connus quand même. Puis on est tellement teasés depuis longtemps que forcément, c'est plus facile à voir, à s'imaginer. Alors, Masato Maeda, il essaye de faire rire l'assemblée, mais c'est pas gagné. Alors, Caleb, tu vas flirter un peu avec ta Dulcinée, tu vas draguer un petit peu. Tu vas lui embrasser la joue. Et petite Marwa, elle va. Oui, c'est vrai qu'elle est toujours froide. Faut vraiment que je change ses traits de caractère. Mais si vous avez une idée pour les nouveaux traits de caractère de Marois, n'hésitez pas à m'en parler, comme ça je le ferai. Oh, ça y est, il y a du monde. Marois se sent pas bien. Venez ici, les enfants. S'asseoir et discuter ici. Voilà. Comme ça, Marois, elle sera en mieux. Et là, il dit, oh, mais déstresse-toi, c'est bon. Et toi, tu as ma place, peut-être tu sais ce que c'est, tu sais pas ce que c'est, hein? Alors arrête de me stresser comme ça. Moi, je sais très bien que ah, tu vas pas être méchante avec ton mec. Moi, je sais très bien, j'aime pas ça. Les étrangers, ils me stressent, ils sont mauvais au fond d'eux, je le sais. Tu vas l'embrasser langoureusement. Toi, tu vas la flirter. Tu vas la flirter. Tu vas lui chuchoter les mots doux. Allez, mais c'est bon quoi, on est tranquille, on est au port et tout, on visite le quartier. Oh, il a faim. Ah, les amoureux, il faut que je les rende enjôleurs là pour qu'ils puissent flirter en étant enjôleurs. Sauf qu'il a la dalle, Kalebounèche. Elle se barre sans mot dire. Marois, tu te pointes. Voilà. Ils se sont socialisés parfaitement pendant 10 fois, là.
Bon, j'espère pendant ce temps qu'ils se dragouillent les uns les autres là, que la petite Nabeshima elle se sente pas seule à la maison. La pauvre Pichoune. On va peut-être rentrer à l'appart, ce sera saccagé de toutes parts. Bon alors, est-ce que je vais les rendre en geôleur au bout d'un moment ou pas? C'est bizarre hein, que j'arrive pas à les faire arriver en geôleur pour l'instant. C'est un peu tendu hein. On est toujours en médaille de bronze, hein. C'est strictement ridicule. Ah, puis elle a commencé à avoir faim aussi, elle. Alors, il a réussi à ne pas boire pendant un jour, Caleb. Vous nous faites quoi? Ouais, mais là, je peux pas vous voir. C'est moi où j'arrive plus à me diriger dans ce jeu. Qu'est-ce qui rend un vampire heureux, mort de la vie à pleines dents? Alors, une conversation profonde avec votre encart. Ça va être facile aussi. Normalement. Ah, Caleb a appris que Marwa était solitaire. Ben, il serait peut-être temps. Je dis ça, je dis rien, quoi. Caleb, qu'est-ce que tu fous derrière le bar? Ah, oh, puis alors, ça me stresse. C'est Marwa qui est en train de chanter la sérénade à Caleb. Il est en geôleur, Caleb. Le rencard va bientôt finir et je suis même pas en médaille d'or. Je suis nulle. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais plus faire les rencards. What? Mais non, quoi! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça. Pas possible, tu vas avoir une conversation profonde. C'est quand même pas compliqué à faire. Allez, là, s'il vous plaît. Ah, ouf! On est. Ah! Vraiment, in extremis, la médaille d'or! In extremis. Ok, ça c'est bon. Caleb, tu rentres. Marwa, tu vas manger. Marwa est demandée à l'accueil. Marwa est demandée à l'accueil. Oula, elle est enceinte elle. Alors, comme elle ne peut pas boire le sang, le plasma de la vieille, c'est le petit nouveau du quartier qui va prendre cher. Après, ne le tue pas, Marois. Je pense qu'il n'a jamais vu de vampire de sa vie, celui-là. Allez, on va rentrer à la maison, ma belle. On a un mari, enfin un mari, on a un copain et un petit chaton qui nous attend. Et nous voilà de retour à l'appartement. Et la petite Nabeshima nous attend. Marwa, tu vas faire un petit câlin à ta chatounette. Oh, câlin, ma pépette. C'est quoi ça? Douceur animale. Fais des câlins à des chats. Oh. Oh, et juste après, c'est son amoureux qui fait un câlin. Mais c'est pas super chouquinette. Et lui, il est amoureux. Hein. Il est à fond amoureux. Hein. Vas-y, va faire crac-crac dans le cercueil. Hein. Allez. Bon, maintenant il a la dalle. Et elle joue. Alors, les amoureux vont s'occuper dans le cercueil et t'as la fifille. Elle joue avec son poisson dans son arbre à chat. Elle ne se doute de rien, toute mignonne et innocente qu'elle est. Regardez-moi cette petite choupinette. Oh, elle gambade, hein. Pourquoi elle se roule par terre devant sa gamelle? Bon bah en tout cas ça se passe bien dans le cercueil. Hein. Pendant que moi innocemment je regarde cette petite boule de poils. Choup! Coucou Nabeshima! Comment ça va? Et elle fait miaou miaou. Tiens, tu vas faire un câlin. Puis tu vas lui donner une friandise. Tiens. Alors Marwa elle va bien. Oh là là, la petite, elle miaule, elle miaule, elle miaule, hein. Ça n'arrête pas. Toi, t'as faim? Alors, au lieu de courir partout, mon gars. Alors, Marois, je t'ai vu faire de la peinture. C'est parfait. Tu vas nous faire. Oh! Oh, c'est trop bien! Ils ont fait une nouvelle toile! Un chat et un chien, c'est trop cool! Ah non, c'est super, c'est quoi qu'ils ont fait?
Une pop art. Ah, ils ont mis des nouvelles toiles, c'est trop cool. Et ben voilà, Marwan nous a fait un chef-d'œuvre avec cette nouvelle toile de pop art Chai Chien. C'est hyper cool. Moi, j'adore. Je vais l'encadrer et on va la garder. On va la garder parce que c'est super choupinet et c'est une des nouvelles toiles de jeu, je pense, donc c'est super cool. Même la mettre, on peut pas. Ah, si, on peut la mettre là. Et elle avait déjà fait un chat ici, donc ça reste dans le thème. C'est hyper sympa. Arrête avec ton eau, Marois. Juste arrête. Je voulais voir si tu pouvais jouer avec la chatte. Acheter des jouets. Bah oui, on va acheter des jouets. Ça, on a déjà. Les plumeaux, les machins. Ah, ça, j'ai pas. Hop. Hop. Moi, c'est comme en vrai. Oh, tiens. Un burger. Truc qui queen, c'était quoi ce bruit? Allez. Voilà, dans le coffre à jouets. C'est parfait. Donc, ça, c'est bien. Eh, mais les jouets qui étaient là, ils sont où? Est-ce que c'est la chatte tout nette qui les a jartés Arrête avec cette eau, bon sang! Tu as tout nettoyé. Oui, enfin elle dort la petite, elle est où? Elle est là. Tu peux féliciter, je sais pas pourquoi, mais tu peux féliciter. Soins donnés aux animaux, appelés prendre dans les bras. Amical. Faire connaissance. Ah oui, je me demandais pourquoi je recevais 5 simflouz comme ça, mais il y avait les gnomes là. Mon maroi, tu pourrais faire autre chose. Non, va prendre une douche, tiens. Et mon petit Caleb, tu vas essayer un peu de bosser ton aspiration. Ah oui, tiens, tu vas commander des plaques de plasma au lieu de. On en prend 10, ça nous fait quand même de l'avance comme ça. En plus, il a la dalle encore, lui. Oh, j'entends la petite Kick Queen là qui. Ah non, elle joue toujours avec son truc. Mais ils sont où tous les joujoux que j'avais laissés? Ouais, Caleb, dans ce cas-là, tu vas boire tes trucs. Et surtout. Elle me stresse à miauler la petite. Hein. Mais dire, franchement. J'abuse, mais ouais. Ouais, j'en ai déjà un qui miaule très, très, trop souvent même. Et c'est franchement si chiant. Et là, avoir un faux chat qui miaule tout autant, c'est très chiant aussi. Mais Marwa, putain, arrête avec ton eau. Marwa, elle danse comme une ouf. J'ai l'impression que c'était nouveau pas de danse là aussi qu'elle était en train de faire. Alors, j'essaie de comprendre ce qu'on peut faire avec le chat. Est-ce qu'on peut aller dans le canapé après? Est-ce qu'on peut s'asseoir avec le chat sur nous, avec nous? Voilà, alors Caleb pourra enfin faire ses propres plaques de plasma. Oh, c'est trop chaud. Donc effectivement, on peut s'asseoir. Soulever l'adorable animal. C'est quoi ça, à chaque fois? Caresser. Soulever l'adorable animal. C'est trop chou! Non mais elle arrête plus, hein! Marois et son chat, quoi! Mais elle me dit acheter une balle, mais on en a déjà acheté plein. Il n'y a plus rien, de ce que j'ai acheté, il n'y a plus rien par terre. Je ne sais pas où c'est. Ah oui, c'est rangé! Mais qui c'est qui a rangé? Oh, je pense que c'est Marois, parce qu'elle range tout le temps. Hein. Allez. Avec Nabeshima, bien sûr. On va voir comment ça rend. Oh, elle a fait son premier pipi dans la litière! Alors, c'est une litière auto-nettoyante. Hein. Logiquement. Ah, bah non. Bon, on va voir comment ça fonctionne, le petit plumeau. Marché aux puces. C'est tout? Alors, lui, il est blasé. Surf sur les vampires ennuyeux. Oh, mon pauvre petit. Allez, joue avec ta petite chouchoute. Moi, ah, c'est trop chou. Moi aussi, je veux un plumeau qui fasse des étoiles comme ça. C'est trop beau. Mais moi, j'ai un deuxième chat, il est complètement taré. Mais quand je dis taré, c'est vraiment frappé. C'est-à-dire qu'on a l'impression que son instinct de base de chasseur
mes chasseurs féroces, renaît quand je joue avec ce machin parce qu'il le chope et il le lâche plus. Oh, c'est. Et où tu lui fais un bisou. Et c'est flippant, donc. Voilà. Ma pauvre petite Marois, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller tout de suite faire une autre toile. Il faut qu'on termine ton inspiration. Et à partir de là, on pourra effectivement penser à faire autre chose. Une autre aspiration, un but dans la vie, un travail, quelque chose. Il lui reste deux shaders à faire. Je compte sur toi. Et toi, arrête d'aller tout le temps sur l'ordi. Tu sais quoi, mon gars? Va faire un peu un dodo, là. Hein? Alors, on a reçu 4 simflouzes de la part de quoi? Des gnomes encore? J'ai pas eu l'impression. Ah, bah voilà la fifille qui joue avec la balle. Alors, voilà la petite qui joue. Oh, elle a avalé la balle. Ou la balle l'a avalée, je ne sais pas trop. Ah, elle est ressortie. Avec le petit cul qui bouge trop fort. Oh là! C'est buggé. Attention Electronic Arts, votre jeu il est pété. Par contre, je l'ai pas vu dormir, la petite. Hein. Bon, elle a dû dormir pendant qu'on était en rancard, mais bon, quand même. Un chat, c'est censé dormir beaucoup. Alors, le truc de la queue, c'est véridique. Hein. Le mien, il chasse sa propre queue. Et ça, je pensais qu'avec les chiens qu'il faisait. Eh ben non. Par contre, c'est dommage qu'on n'ait pas la possibilité. Ouh là! Qu'on n'ait pas la possibilité de choisir la qualité de croquettes qu'on donne à nos animaux. Mais t'as fini déjà ta toile, Marois? Mais t'as rien fini du tout, oui. Voilà. Ouais. Tu me stresses un peu, Caleb. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller courir. Voilà. La chenille-fille, elle est pétée. Allez. Ben Nabeshima? Tchou, tchou! Ah, on va aller voir sa litière. Oh là là. J'ai un mal fou à me déplacer. Alors, le chacha dans sa litière. Ça, c'est un pipi. Comme ça, vous pourrez voir au moins la litière en gros plan. Une litière qui coûte assez cher. Je sais plus quel prix elle était. 400 ou 600, un truc comme ça. Oh là, c'est du caca, ça. Oh là, c'est un gros caca. Et on va attendre. Bon, c'est pas très glamour, hein, je suis d'accord. Hein. On va attendre que ça se nettoie automatiquement parce que c'est une litière intelligente. C'est canon! Je veux la même chose chez moi. Mais il est déjà revenu de son jogging, lui, c'est une blague? Mais il est jamais parti! Oh là là! Va courir, Caleb. Oh, on peut pas être tranquille 5 minutes avec ces hommes, hein. Eh, tu vas jouer avec le pointeur laser cocotte et puis tu vas. Faut que tu manges aussi, punaise, mais elle a la dalle tout le temps, Marois. Oh, ça fait une étoile bleue maintenant. Ah, est-ce que ce serait pas en fonction des humeurs? Ah, c'est excellent. Quand on est confiante, ça fait une étoile bleue. Lui, il devait être heureux, ça faisait un poisson vert. C'est trop cool. Franchement, comme quoi, ils ont pensé à pas mal de choses quand même. Ok, tu fous quoi là? Tu discutes avec un mec de. Qui s'occupe, c'est un mec de DF là? Décolle la fiche. Voilà. J'ai ta lèvre, tiens, tu vas chercher des boules à neige aussi. Mais je sais pas, est-ce que t'as vraiment été faire ton sport? Bon, alors, Marois, tu vas du coup ranger ça. Mais elle dort pas, hein, la chatte. Oh, dis donc, tu la donnes un peu haut quand même, hein. Elle allait pas sauter jusque-là. Jouer avec un plumeau pour chat. Mais la petite, elle dort jamais. On va reprendre une photo aussi après. Oh, c'est quoi cette position? Oh oui, ça s'étend ses papattes. Mais tellement petite, perdue dans l'immensité du salon. Les petits plumeaux qui fait des étoiles. Oh, et puis ça fait un arc-en-ciel aussi. Eh, c'est les Sims, hein. C'est magique, hein. Alors moi, quand je fais des photos de mon chat, j'adore, c'est quand il fait... Oh, c'est trop mignon! Et on peut pas zoomer. Ah si. Ah, je suis déjà au zoom.
Allez. Et deux autres photos des manches à choune. Alors, on est à 25 abonnés. Début sur Simstagram. Récompense, Nabishima commence à se faire connaître en tant que star montante de Simstagram. Quand même, pour 25 abonnés, faut pas déconner. Hein. Les produits pour animaux pathécitives. Ouais, lui envoyer un petit cadeau pour la remercier pour ses photos extraordinaires. Consultez l'inventaire de votre foyer, continuez comme ça. Ah bah maintenant, elle en a 24. Juste avant, elle en avait 25. Je dis chaud, je dis rien, moi. Gagner 25 abonnés. Ah non, c'est gagné, d'accord, il y en a 24. Bon, après, ils font un peu leur vie, les animaux, quoi. Allez, on peut faire un truc sur le frigo. Préparer une recette animale. Préparer sa recette animale pour animaux. Ah bah, on va préparer un truc pour Nabeshima. Croquettes de poisson, bœuf et poulet, tourte à la viande, os pour chien. Ah bah non, croquettes de poisson. Allez, Marwa, tu vas te mettre au fourneau. C'est notre chachate. Alors moi, quand je suis dans la cuisine, mes chats sont là en train de réclamer. Bah voilà. Comment ça? Oh la peur! Oh la pauvre chouchoute! Peur des animaux. Aucun animal n'a vraiment peur de rien. Même Nabeshima, chaque animal a peur de spécifique à recevoir des niveaux découvrir leur phobie. Oh la peur de la gazinière, la pauvre! C'est quand même pas sorcier. Hein. Tiens ma fille! Oh, c'est un poisson, forme de poisson. C'est trop mignon. Oui, alors je suis gaga, un petit peu. En même temps, t'inquiète pas, la gazinière, le four, tout ça, tu vas pas le voir souvent. Fonctionner, parce que nous ne sommes pas vraiment des vampires normaux. Marwa, tu m'épuises. Eh, mais Marwa, tu nous avais fini tes toiles? Chef d'œuvre. Ah oui, bah écoute, bah, eh ben, tu vas la vendre. Mais celle-là, tu l'as pas finie. Tiens, d'ailleurs, c'est un nouveau dessin aussi. Donc, ce serait sympathique que tu nous finisses ça. Oui, on vend à la galerie. Nous vendons. Et voilà, elle nous a fini un travail excellent. Collectionneur. Et si tu pouvais nous en refaire un autre. Une petite toile abstraite de taille moyenne. Pour y aller plus vite. Éventuellement, ce serait sympathique de finir ton aspiration. Alors, elle l'a fini, mais malheureusement, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Je suis déception. Voilà. Allez, Marwa. On n'attend plus que toi pour finir cet épisode. Eh bien, voilà. L'aspiration de Marwa est maintenant terminée, puisqu'elle a fait un énième chef-d'œuvre. Alors cette chose vaut 1961 Simflouz. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est vraiment... Et ça va remplir notre petite poche. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser avec notre petite famille, notre petit couple et notre petite chatounette. Qui est... Okay, où est-ce qu'elle est? Elle est en bas. Là, elle demande de l'attention à Caleb. Caleb qui, bien sûr, lui, joue comme d'habitude... Ah, l'ordinateur. Caresser pour s'apaiser. Pourquoi il est tendu, lui? Confusion sur les empires. Ce livre est quand même incompréhensible. Les trucs de vampires sont trop compliqués. Oh, mon pauvre chou. Mon pauvre chou. Bon, allez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Marwa, Caleb et Nabeshima. Je sais même plus. Nabeshima. Oh, là, ça devient compliqué. Nabeshima. Oh là là. Bref. Je vous dis à très très bientôt, merci de m'avoir regardé, laissez un petit pouce bleu, un message d'or, je kiffe vos messages, et je vous dis à très 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 bientôt, allez, salut!